Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. La grâce et la joie de Dieu nous saisissent ce matin en Jésus le crucifié ressuscité. Ce matin, un chant passe les portes et monte à travers la nuit et se répand sur toute la terre. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et je vous invite à vous lever ici ou dans vos maisons. Bienvenue à chacun pour ce culte de Pâques que nous allons vivre ensemble. Et nous allons chanter « Le Sauveur est ressuscité » les deux premières strophes du cantique 480 sur ce recueil. La louange, c'est Annie et Nathalie qui vont nous conduire dans la louange. Notre Dieu, nous te disons merci pour les vivants qui ont traversé la terre depuis l'aube des temps jusqu'à maintenant et qui lui ont donné sa marque humaine. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre et dont les paroles de pardon, les gestes d'amour, les actes de courage, les chants d'espoir et de joie sont parvenus jusqu'à nous et nous ont permis de tenir debout dans l'existence. Merci pour les vivants qui ont traversé la terre, éclairés par ta parole et qui nous ont révélé la lumière de ton visage. Merci pour les vivants qui ont traversé notre vie en déposant la tendresse sur le déroulement de nos jours. Sans eux, notre existence serait restée une longue marche solitaire et vide. Merci pour leur amour, leur présence et leur regard. Ils nous ont fait naître à la vie de chaque jour. Merci pour l'espérance que tu enracines en nous, grâce à Jésus, le vivant, ton Fils, passeur de toutes les nuits et de toutes les morts. Loué sois-tu, notre Dieu, en Jésus-Christ. Nous laissons éclater notre louange et notre confiance en chantant « À toi la gloire ». Au cas où vous ne rappelez plus le numéro ou les paroles, c'est le 471 dans les recueils. Thank you.
la suite de notre liturgie, vous pouvez ouvrir les recueils de cantiques au numéro 623. Toi qui gardes le silence, 623. Je nous invite maintenant à déposer en Dieu ce qui nous enferme. Nous prions. Seigneur Jésus, notre Christ, quand nous gisons au plus profond de nos tombeaux, tombeaux d'échecs, tombeaux de honte, d'accablement, quand nous gisons dans la plus terrible des solitudes, dans la peur et dans les larmes, dans la détresse du cœur et le déchirement de notre être. Seigneur Jésus, nous appelons sur nous la force de ta résurrection dans toute sa vérité pour une vie autre. Amen. Vous restez assis pour chanter la deuxième strophe de ce cantique. L'Esprit du Père qui a ressuscité le Fils nous donne maintenant et toujours d'obéir à sa voix et nous appelle à sortir de nos tombeaux. L'Esprit de celui qui nous ressuscite déjà avec le Christ nous donne maintenant et toujours de faire retentir sa voix face à toutes les morts qui ravagent la création, toutes ces morts qui retiennent nos frères et nos sœurs dans leurs liens. Le Seigneur et Sauveur nous donne ce matin d'être avec lui et comme lui des ressuscités contagieux. Et nous nous levons, je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec la troisième strophe du même cantique. Frères et sœurs, allez maintenant, il faut vraiment se lever avec lui. C'est le troisième jour. Se lever et se mettre à l'Évangile à plein temps pour construire la vie de toutes les manières et sous toutes les formes. Le travail de résurrection commence et il n'aura pas de fin. Et nous chantons la quatrième strophe de ce même cantique. Je nous invite à la prière. Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension sera limitée. Mais si ton esprit nous éclaire,
La parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Par ton esprit, Seigneur, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Amen. Et ce matin, nous entendrons l'évangile de résurrection qui nous est proposé cette année dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie la Magdeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Elles s'enfuirent loin du tombeau, tremblantes et stupéfaites, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Frères et sœurs, y a-t-il une autre fin possible que cette fin qui nous interpelle, qui nous déroute, cette fin qui n'est pas une fin qui ne ferme rien, parce que le tombeau est ouvert et que les femmes courent. À La Margelle, dans un groupe de rencontres théovie sur les gros mots de la théologie, à partir de ce texte, justement, une question a été abordée et discutée. Comment parler de la résurrection aujourd'hui? Alors soudain, ces trois femmes nous sont devenues très proches, très réelles, et leur silence tellement compréhensible. Nous aussi, nous avons beaucoup de mal à témoigner de ce qui est pourtant le cœur dynamique de notre foi chrétienne. Le crucifié est ressuscité. Alors souvent, comme ces femmes, on se tait parce qu'on ne trouve pas les mots. On se tait, et pourtant, ça nous remue, ça nous éveille. Ça nous fait bouger, agir, voire courir. Alors, les quelques mots que l'on peut essayer sur l'événement résurrection sont mieux que rien. Mais ils ne seront toujours que des chemins pour aller plus loin. À chaque mot, son chemin. Car la vie qui vient avec le ressuscité n'est pas une vie qui encadre, mais une vie qui déborde et qui nous déborde. Je suis toujours reconnaissante des auteurs d'évangiles qui ont essayé quelques mots et beaucoup de pudeur pour raconter l'expérience des femmes au matin de Pâques. Pour dire ce qui s'est passé pour elles,
comme pour dire ce qui se passe pour nous. On s'accroche, ou plutôt notre mémoire s'accroche aux détails, au moindre détail qui fait signe, les détails parlant des uns n'étant pas les détails parlant des autres. Et ces détails ne tombent pas du ciel. Ils racontent d'abord ce qui se passe au-dedans de nous. Et ils sont faits, ces détails, de nos héritages culturels, religieux, spirituels, qui vont être complètement bouleversés par l'événement résurrection. Par exemple, pour Marie la Magdeleine, Marie de Jacques et Salomé, l'éblouissement d'une parole a pris la forme d'un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Peut-être que nous, aujourd'hui, on le dirait autrement, mais ce ne serait pas plus vrai ou plus véritable. La parole de ce jeune homme en robe de lumière leur ouvre d'abord les yeux sur un vide, sur un tombeau inutile, et fait jaillir de leur mémoire une parole tellement vraie et tellement vivante. Il l'avait dit. Et c'est vrai comme il l'avait dit. Quand Jésus a annoncé sa mort, il a toujours annoncé qu'elle ne serait pas la fin. Dans le tombeau, les trois femmes sont éblouies par cette parole qu'elles comprennent et reçoivent soudain comme vérité. Jésus, le Nazaréen qu'elles ont suivi, a toujours été là où était sa parole. Il ne parle plus. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ailleurs et sa parole l'a précédé. Mais ça bouleverse tellement l'ordre naturel des choses qu'il faut d'abord encaisser, accuser le choc, même si c'est une bonne nouvelle. Oui, elle est lumineuse, la nouvelle, mais elle n'est pas légère, ni facile. On peut toujours courir. On l'emporte avec nous. Elle nous colle au corps. Elle nous colle au cœur et au corps, encore et encore, et bien plus loin que la chanson. Pour les trois femmes, le jeune homme en robe de lumière est le signe de leur surprise, de leur grande surprise et de leur éblouissement. Un autre détail dans ce récit, c'est une question très pratique, qui est suscitée par une coutume qui n'est plus d'aujourd'hui ou qui n'est pas d'ici. Le souci des femmes d'aller embaumer le corps et d'y aller elles-mêmes. Et puis surtout aujourd'hui, on n'ouvre pas, on n'entre pas dans une tombe comme ça. Eh bien, les deux Marie et Salomé ne sont pas effrayées que la pierre soit roulée, que la tombe soit ouverte, mais elles sont effrayées par l'absence du mort. Alors, comment elles marchaient, ces trois femmes? À pas rapides ou à pas de deuil? Leurs yeux balayant le sol ou balayant le ciel? On ne sait pas, mais en chemin, elles portaient leur aromate. Et puis cette question qui les inquiétait vraiment beaucoup, qui nous roulera la pierre? Cette question, ce détail grand comme une pierre de tombeau, raconte l'inquiétude et la préoccupation des femmes, ces femmes du devoir et du prendre soin. Elles veulent aller jusqu'au bout de leurs gestes, accomplir le devoir envers le mort bien-aimé, devoir qu'un autre devoir, celui du sabbat, a reporté au surlendemain. Leur question sur la pierre à rouler ne dit pas seulement leur inquiétude, mais dit aussi leur obstination. Elles savaient bien qu'elles n'auraient pas la force de rouler la pierre pour entrer dans le tombeau. Eh bien, elles sont quand même parties. Ce sont des femmes de grande volonté. Eh bien, nous aussi, parfois, la nécessité d'agir nous tient, nous pousse plus loin que les empêchements et les obstacles prévisibles. C'est peut-être ainsi qu'un chemin de possible s'ouvre de façon imprévisible. Et quand le possible de la vie
complètement inattendu s'ouvre, eh bien, des questions qui nous tracassaient tombent, inutiles. Du style, en fait, qui a roulé la pierre du tombeau ? Il y a maintenant l'urgence et l'impératif d'une parole à transmettre. Il vous précède en Galilée. Les femmes ne disent encore rien, mais elles y courent. De son premier commencement en Galilée à son nouveau commencement en Galilée, l'évangile de Marc est un évangile pressé. Un évangile pressé mais réconfortant parce qu'il annonce toujours par avance ce qui va se passer, même si on ne comprend pas tout de suite que c'est trop tôt. Il annonce toujours que si le Christ n'est pas là où on l'a mis, si le Christ n'est pas là où on veut le trouver, ce n'est pas qu'il a disparu, mais c'est qu'il nous attend ailleurs, devant. Dans l'évangile de Marc, Jésus est un Christ qui entaille toujours un chemin où on peut le suivre. Un Christ qui jette sa parole plus loin pour nous faire venir jusqu'à elle et donc jusqu'à lui. Avant sa mort, Jésus avait déjà annoncé qu'il allait être relevé des morts. Avant son enterrement, le geste d'une femme l'avait déjà embaumé et la proclamation de l'évangile déjà prête à partir dans le monde entier. Et ici, la pierre déjà roulée, le mort déjà relevé, déjà devant en Galilée. Parfois, la tristesse, l'échec, le chagrin, la déception rétrécit notre regard et alourdit notre pas. Le deuil est parfois trop grand et il nous enveloppe. Mais Dieu, lui, voit avec un autre regard. Il voit en nous les prémices, il voit en nous les si petits possibles qu'il va réveiller, stimuler de toute sa puissance de vie. Dieu a vu chez les trois femmes leur souci de prendre soin et l'énergie de leur volonté. Ce sont deux qualités indispensables pour que l'évangile ne reste pas coincé dans un tombeau. Dans notre groupe de rencontres Théovie, les discussions ont mis soudain au clair que, dans l'évangile, ce qu'on appelle résurrection, eh bien, c'est donné. Ce n'est pas un chemin initiatique, ce n'est pas un effort pour aller vers la plénitude de Dieu. Non, c'est l'action de Dieu sur nous, en nous, pour nous, et c'est donné. Le jeune homme dans le tombeau, sa robe blanche et sa parole symbolisent que Dieu est passé et que Dieu a agi. Comment ? On ne sait pas. Il y a une insistance pour faire voir le lien entre Jésus le mort ici et Jésus le vivant ailleurs. Celui qui a été déposé ici par les hommes, non pas s'est réveillé tout seul, mais a été réveillé par Dieu. En fait, la première expérience de la résurrection est sur la mort. La mort est un pas ici qui nous envoie vers un ailleurs. C'est simple de le dire ou de le constater dans nos vies. C'est moins simple de le croire et d'en vivre complètement. Et le lien entre ici et l'ailleurs, le lien, le passage, c'est un homme à suivre, un homme Christ. Les évangiles ne parlent jamais de résurrection comme d'un concept métaphysique, mais parle du ressuscité. Ce n'est pas une pensée, c'est une expérience. C'est l'expérience d'une relation. C'est de l'ordre de l'expérience et non de la réflexion. Même si cette expérience commence grosse comme une graine de moutarde. Ce récit de résurrection dans l'évangile de Marc est une fin ouverte comme le tombeau est ouvert. Et cette fin peut nous déranger parce que la mort n'est plus à sa place. L'évangile
prend vraiment au sérieux la mort et le deuil. Jésus est bien mort, crucifié. Les femmes supportent leur chagrin par les gestes rituels. Mais l'Évangile essaye aussi de nous dire que Dieu vient jusque-là, pas en dehors, mais en plein dedans. Que Dieu vient dans le tombeau, dans le deuil, pour nous en faire sortir, pour nous emmener en Galilée, c'est-à-dire des chemins connus, mais investis autrement par la vie avec le ressuscité. L'Évangile de la résurrection nous jette aussi dans la confiance, pas la confiance en nous, mais la confiance en lui, en Christ. On est du coup dépréoccupé de nous-mêmes, de notre devenir, de notre mort, pour être accroché au Christ, celui qui nous fait courir, même si on est d'abord ébranlé, comme les trois femmes. L'événement résurrection est un décrochage. Ce n'est pas nos convictions qui nous font vivre, mais c'est parce qu'il nous précède en Galilée qu'il nous y attend et qu'il nous rencontre. Dans le mot « tombeau », en grec, on entend le mot « mémoire ». Ici, le tombeau ouvert, c'est aussi la mémoire ouverte. Stimulée, non pas vers le souvenir d'un mort, mais vers la vie que ce Christ a déjà mise en route. Au matin de Pâques, les ouvertures de Dieu ne sont pas un retour en arrière, mais un retournement pour nous et pour les autres. Ce qui est inimaginable, c'est que la mort est certes une absence, ça, on le sait, mais n'est pas une fin, ça, on ne le sait pas encore. Mais on peut commencer l'expérience. Quelque chose a commencé en Galilée et n'est pas fini, ou plutôt ne fait que s'ouvrir. Dans notre période de pandémie mondiale, nous avons plutôt l'impression de vivre des enfermements que des ouvertures sans fin. Et d'ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est même une réalité. L'évangile du matin de Pâques nous dit que Dieu provoque des ouvertures et des possibles, surtout où on ne l'attend pas. Mais des ouvertures ou des possibles qui ébranlent, parce qu'ils remettent en question des façons de vivre, de croire et de penser. Ces ouvertures que Dieu provoque ne sont pas des autorisations de sortie ou de déplacement pour motifs impérieux, mais sont une autre façon de lever, de réveiller la vie, malgré les situations de mort, au milieu des situations de mort. Prendre la mort au sérieux, mais être obsédé par la vie et par le Christ qui nous y attend toujours, avec une longueur d'avance, pour nous réorienter. Il vous précède en Galilée. Cette parole est aussi pour nous. Comment ? On ne sait pas. Allons-y en suivant les femmes. Parce que cette résurrection, ça nous est donné. Et même c'est déjà là, comme un tout petit possible. C'est le virus de la résurrection appelé à s'éveiller et à grandir. C'est la parabole de la pleine présence de Dieu au milieu de nous, qui grandit au milieu de nous. Cette parabole que Jésus avait déjà racontée une première fois sur les chemins de Galilée. La parabole d'une graine de moutarde qui contient tout ce que Dieu peut faire en nous, pour nous et avec nous, au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Amen. Thank you.
Je vous invite à vous lever pour chanter « Le Sauveur est ressuscité ». C'est le numéro 473. Notre culte avec la célébration de la Sainte Cène, de célébration autrement bien sûr, et pour le temps des annonces qui s'ouvre, je donne la parole à Loulou. Tu peux venir ici au micro, Loulou. J'ai une citation qui m'est revenue en tête ce matin avant de venir. Ouais, c'est écrit gros. L'enfer, l'absence des autres, c'est Denis de Rougemont. Et je rebondis sur ta prédication d'une psychologue qui disait qu'aimer, c'était toujours boucher un trou. Et puis là, il vous devance en Galilée. Ça veut dire qu'il faut aller devant les autres pour apporter une présence humaine. Et puis, ben, il faut savoir être surpris dans la vie. Et ne pas oublier que c'est les femmes qui annoncent la résurrection. Et aussi, il y a toujours un vide à combler pour les autres dans sa vie. Voilà. C'est ce que je voulais dire, quelque chose encore d'autre. Et c'est tout. Voilà. Merci. Merci, Loulou. C'est comme dans l'évangile de Jean. Après le chapitre 20, il y a le chapitre 21. Et nous, notre chapitre 21, c'est la perle de Loulou. Sinon, pour la vie de notre Église, les cultes et les rencontres, vous trouverez tout cela sur le site et les newsletters qui sont fidèlement et sérieusement mis à jour et préparés chaque semaine par Harry et Sacha. Les rencontres, partage biblique, groupe théovie, catéchisme, se poursuivent en distanciel, comme on dit désormais. La semaine prochaine, le rendez-vous du culte est maintenu en présentiel sur les quatre secteurs
et diffusée par Internet et Radio FM+. Prenez soin de vous. Nous restons vigilants sur les consignes sanitaires qui peuvent modifier d'une semaine sur l'autre ce que nous avons annoncé. Voici maintenant le moment de notre offrande qui engage notre Église au service de l'Évangile. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, qu'il donne en présentiel ou par le don en ligne. Amen. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Nous n'avions pas pu nous retrouver en présence pour Pâques 2020. Et nous le pouvons cette année dans le respect des mesures sanitaires pour que ce soit possible. Et nous pensons ce matin à ceux et à celles qui n'ont pas pu aujourd'hui rejoindre une célébration en présence pour des raisons de santé ou pour des raisons de sécurité dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Si le virus du Covid est mondial, notre communion avec l'Église universelle l'est aussi et plus encore. Le virus n'empêche pas la bonne nouvelle de la résurrection de se propager, mais il empêche, on le sait bien, certaines choses et il bouleverse des habitudes. Depuis un an, nous n'avons pas célébré la Sainte Cène. Et ce matin, nous allons le faire, mais autrement que d'habitude. Pour célébrer la Sainte Cène, nous avons coutume dans l'Église protestante de nous mettre en cercle et de nous faire passer le plat et la coupe et partager ainsi les signes du pain et du vin. Pour nous, ce cercle de communion, le plat et la coupe que l'on se passe les uns les autres, symbolisent très fortement que la communauté ainsi rassemblée manifeste le corps du Christ. Nous ne pourrons pas faire ainsi, ni aujourd'hui, ni demain, et pourtant nous sommes toujours corps du Christ, dispersés mais rassemblés, toujours dans la même communion. Alors c'est vrai, nous n'avons pas le soutien du symbole, mais l'Esprit Saint agit tout autant au milieu de nous. Depuis une année, nous n'avons pas célébré la Sainte Cène. C'est vrai, mais nous nous sommes restaurés avec les textes bibliques qui ont gardé toute leur puissance et même parfois ont pu rendre neuf ce qui s'était usé sous l'habitude. À la fin de l'Évangile selon Luc, dans le récit des disciples d'Emmaüs, lors du repas à l'auberge, c'est au signe du pain rompu que les deux disciples reconnaissent le Christ et qu'ils se disent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Alors ce matin,
Nous allons célébrer la scène avec le seul signe du pain partagé. Je dirai à quel moment prendre le morceau de pain. Nous allons maintenant entrer dans la liturgie de Sainte-Cène. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. En Jésus, ton Fils, tu es venu pour diviser et pour rassembler. Tu es venu pour nous diviser d'avec nos regrets et nos déprimes. Et tu es venu pour nous rassembler avec ta victoire et ton espérance. Jésus notre frère, nous te louons, nous te bénissons. Avant la traversée de l'épreuve, avant la dispersion dans les ténèbres, tu as rassemblé tes disciples pour leur donner par avance force et espérance. Tu leur as donné et tu nous as donné le pain comme ton corps et la coupe de l'alliance nouvelle où tu nous tiens dans ton amour, même si nous perdons pied. Même si nous perdons cœur. Voici la coupe vide, déjà versée, déjà donnée pour la multitude dont nous sommes. Voici le plat vide, car déjà, par ton corps ressuscité, tu as rejoint chacun et chacune de nous. Le pain que tu nous as donné est dans nos mains pour accomplir les œuvres de Dieu. Seigneur Jésus, avec ce pain, nous ouvrons nos mémoires sur ta parole. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne vie au monde. Seigneur Jésus, nous te demandons, donne-nous toujours ce pain-là. Et tu nous réponds, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Donne-nous, Seigneur, de venir à toi et de te faire pleinement confiance. Donne-nous de ne jamais être rassasiés de ta présence et de te reconnaître vivant dans ce monde qui est le nôtre et qui est tien. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 449, les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Ô Jésus, ta croix domine. Thank you.
et debout, nous écouterons l'institution de la scène selon l'évangile de Marc. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude ». Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Je vous invite maintenant à prendre chacun le morceau de pain dans votre main, celui que vous avez reçu dans votre main, celui que vous avez reçu à l'entrée ou que vous avez préparé chez vous. Nous prions. Notre Dieu, toi qui nous rassembles, toi qui nous invites, viens réveiller en nous le désir que ton règne vienne. Envoie maintenant sur nous ton Saint-Esprit pour que nous recevions par la coupe vide le signe de ton alliance déjà donnée. Et par le pain partagé, le signe de ton amour en Jésus-Christ, ton Fils et notre frère. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés et maintenant réunis, qu'ainsi tous les hommes soient rassemblés dans ton amour et réunis un jour dans ton royaume. Amen. Avec ce pain, nous communions les uns avec les autres. Seigneur, tu es le pain de vie donné au monde. Seigneur, tu es aussi la résurrection et la vie. Amen.
Nous nous unissons dans la prière d'action de grâce et d'intercession. Pour ta parole qui se fait pain, pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, pour l'aujourd'hui de ta promesse et pour nos visages rassemblés, nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, apprends-nous à te saluer dans l'instant qui s'offre à vivre. Apprends-nous à te saluer dans la présence qui vibre en chaque visage, dans le souffle qui traverse nos existences. Nous te confions celles et ceux qui vacillent sous le choc d'une séparation, d'une maladie, et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te remettons ceux et celles qui sont dans l'ombre et ne supportent pas la lumière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter. Et permet qu'un goût de naissance rejoigne ceux et celles qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes et en toi. Nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions de ce monde, traversé de violence mais en attente de paix. Et en communion avec tous ceux et toutes celles qui te reconnaissent comme Père des humains, nous unissons nos voix pour te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à la fin de notre culte, recevons ces paroles de liberté. Un homme, un jour, il y a longtemps, a ouvert un chemin de vie. Le souffle de sa voix balayait la poussière, tout ce qui ferme et fige, écrase et rétrécit. Et cette voix libère et rend la vie légère, ce souffle d'espérance. Même les murs de mort n'ont pas pu l'étouffer. Si tu cherches dans l'ombre au secret de ton cœur, tu l'entendras encore, cette voix, et s'ouvrira en toi, se tracera devant toi, un chemin de lumière. Sur ce chemin, tu retrouveras les autres et toi-même et cette présence fidèle qui t'appelle à la vie. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fait lever en nous ce qui est mort et nous conduit à la vie. Allons dans sa paix, il est ressuscité. Et nous allons chanter « Mon Rédempteur est vivant », c'est le numéro 475. Love.
avec le ressuscité, aujourd'hui et demain et encore demain. Thank you.